Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué avec des cartes, vous allez voir. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller voir dans la description pour avoir accès à tous les liens, dont le lien de la vidéo explicative de cette vidéo. Vous aurez aussi les liens des réseaux sociaux, de l'école de magie, qui est 100% gratuite, ainsi que la plateforme de VOD, vous pouvez aller voir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Ceux désirant me soutenir et voulant avoir accès à encore plus de magie, n'hésitez pas à souscrire à Tuto Magie Premium directement sur YouTube, donc tout est dans la description. Bref, le pouce bleu, tout ce qui va avec, et sur ce, je vous dis à tout de suite pour la démo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo. Un petit tour très rapide, très flash et visuel avec un jeu de cartes de 52 cartes différentes qui pourraient être mélangées par le spectateur et bien sûr coupé pour montrer qu'il n'y a aucune préparation. Le spectateur choisit une carte, alors celle de son choix, imaginons, moi je sais pas, allez, on va dire celle-ci. Ici le 10 de carreau, le 10 de carreau tout simplement va être laissé alors en vue. Alors ce que je fais, je laisse vraiment dépasser et en fait je vais utiliser l'élastique ici pour emprisonner le jeu et donc par la même occasion le 10 de carreau, si je lâche la pression, le 10 de carreau rentre à l'intérieur et est prisonnier et ça m'évite en même temps de manipuler. La boîte qui peut être montée des deux côtés, examinée, etc. Ce qu'on va faire, on va prendre le reste du jeu et tout simplement perdre et remettre le tout à l'intérieur, vraiment, comme ceci. Et regardez bien, si on voit bien les cartes vraiment prisonnières à l'intérieur, si on fait un petit geste comme ceci, 1, 2, 3, boum, instantanément, une carte se retrouve prisonnière à vue et apparaît devant le jeu comme ceci. On va retirer l'élastique, bien entendu. Si on regarde, c'est bien la carte choisie et le jeu est toujours prisonnier par l'élastique. La boîte peut être laissée à l'examen, les cartes peuvent être laissées à l'examen. Tout peut être examiné ainsi que la carte choisie et c'est super rapide et c'est un vrai petit miracle.